Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, vous allez me suivre dans l'aventure. Demain, j'ai mon avion pour aller en Italie à 22h. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know. Là, aujourd'hui, j'ai été faire mon test antigénique. Là, tout à l'heure, je ne l'ai pas. Super. Je dois aller au barbeur et peut-être après à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que j'ai un putain de panari, mon doigt, il est énorme, quoi. Bon, bref, vous allez me suivre pour un voyage en Italie, en sachant que je ne suis pas vacciné et qu'il y a le Covid, et qu'il y a le pass sanitaire, il y a toutes ces merdes. On va voir comment ça se passe. Let's go. Bon, on va monter dans l'avion, du coup, direction Palerme. Et ensuite, on va devoir prendre un gros van pour aller à Cefalù. Voilà, elle a jamais pris l'avion, elle a peur, elle est en stress. Voilà, je crois que le chauffeur nous a planté. On est en train de le chercher, on le trouve pas. C'est une galère. Je vais un peu claquer, j'espère que ça va vite aller quoi. Ok, c'est parti, premier hôtel du coup. Wow. Ça sent plutôt bon. Oh, ça fait bader hein. Excusez-moi mais ici ça fait vraiment là le film exercice. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, 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 regarde. Il y a pas de lumière. Oh my god. Gio, il y a pas de lumière. Ah ouais. Ça fait bader ici. Je vais pas rester tout seul dans l'appart. Mon dieu. Ah mais là c'est deux lits des... Oh mon dieu, il est chiant. Et ça va dire, il nous fixe. C'est lui qui habitait ici. Alors ici, ils font des feux d'artifice à 18h. Et ça fait un boucan dans toute la ville, c'est un truc de ouf. Tout le monde a peur, c'est... J'ai eu trop peur au début. Je me suis dit, ouais, je sais quoi. Ça fait bader un peu. À Paris, ouais, ça, tout le monde partirait dans tous les sens. Les chats, ils sont grave sauvages. Ça existe pas, les chats de compagnie ici. Regardez comme c'est vraiment sauvage. Ouais, non, il a l'air trop mal, il va me faire attaquer. Ouais, c'est pas du tout comme en France où nous les Français nous avons des chats de compagnie. Ici, c'est des chats sauvages. On a pété. Oui. Qu'est-ce que t'as mal? Oh putain, ça va attaquer. Oh, le tête de merde. Tu saignes ou pas là? Non, y'a. Si, y'a du sang normalement. Y'a un peu de sang. Non, mais y'a rien. Mito, bah. J'ai pas de tabac, je vous le verre dans le pied surtout. Oh putain. Non, arrête. C'est pas drôle. Antoine, c'est pas drôle. A few moments later. J'ai été acheté du verre en express sur mesure. Chez un vétrier, c'est ça qu'on dit? Vétrier, je sais pas. Tu sais quoi? Bref, 30 euros. Nous l'a coupé. Incroyable. On est sauvés, les gars. Oh, la polizia. Oh, la polizia. Daily observation. Sarah n'a jamais fait de bateau, elle se rend pas compte que ça va bombarder et qu'on va sauter et tout. C'est celui-là notre bateau. Ici, les couteaux ils coupent pas, donc l'astuce c'est de couper avec le couteau à l'envers. Essaye, Baptiste, tu vas voir, ça coupe mieux. Vas-y, essaye. Bon, on est au resto là,
Et je vous explique, depuis qu'on est arrivé, on veut absolument manger des pâtes à la carbo. On a trouvé un resto, pâtes à la carbo. Déjà la couleur, vous voyez... Elle est jaune. C'est, quand je vous dis c'est al dente, c'est, quand, j'ai l'impression qu'ils ont cuit genre 2 secondes. C'est très dur, très très dur. Mais c'est pas mauvais, mais ça n'a rien à voir avec la France. Bon, ça y est, on se retrouve dans le deuxième appartement, enfin vous verrez. Elle coupe mon intro pour un putain de chat de merde. Bah écoutez, regardez, je vous montre ça déjà. Là les gars, il y a un frelon asiatique dans l'appart. Donc là, le but c'est d'expulser. Il est où? Attends. Wow, elle est énorme. Je sais pas si vous voyez, mais on se rend pas compte. Mais c'est une vache. Voilà, il est c'est bon, tu l'as capturé. Ça, dégage. Faut pas, on bute. Il est énorme. La pss. Oh, j'ai eu grâce fort en forêt. Allez, vas-y, sans. Wow, alors. C'est pas fait. Non. Bon, les gars, comme je vous l'avais dit, on a loué un scooter du coup. Là, avec Baptiste. Ciao tutti. Je peux pas trop filmer parce que le scooter c'est nouveau pour moi et tout. Je peux pas faire le fou donc. Ciao tutti. About to leave. Already packing, come with me. Wow, ciao tutti. Aujourd'hui nous allons à la plage pour se baigner, ouais. Rafraîchir la moulaga. Ah ouais? Ouais, et puis voilà quoi. Tu vas nager? Hein? Tu vas nager? Je vais nager, et d'ailleurs, abonnez-vous. Hein? C'est quoi le rapport? Bah, le rapport c'est que... Faut de la moulaga. Ah. Et si ça vaut une fois, il n'y aura pas de moulaga. Ah ouais. Je rigole, bien évidemment. Oh, elle est belle la plage. Il y a des filles en plus. Attends, tu vas voir toi. Viens là. Goucou. Hey, juste pour vous expliquer un peu le contexte qui va arriver, sinon vous n'allez pas du tout comprendre. Imaginez-vous, on est en soirée, et on a un peu beaucoup bu avec mon pote Baptiste, et là d'un coup je lui sors. Hey frérot, demain on se fait tatouer le même tatouage tous les deux en commun. Et là il me fait, ouais frérot, let's go. Et sauf que le lendemain matin, j'étais toujours chaud de le faire. Et lui, un peu aussi, mais il a fait comme moi, il a fait, mais il a dit oui. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacation, staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my B-side. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Et du coup, Sarah aussi a voulu en faire un. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. I wanna say something, but you are all that I see. Bon, dans le vlog, il n'y a pas beaucoup de vidéos, je vous mens pas, c'est juste que j'ai voulu cet été essayer de profiter à fond et pas forcément toujours penser à ramener ma caméra. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais dans la villa, il y a eu plein de problèmes. Des problèmes vraiment, comme par exemple, il n'y a pas de clim ni de ventilateur. On crève, je crève de chaud la nuit, je crève de chaud. Mais justement, allez voir cette vidéo, je vous explique justement les inconvénients à chaque fois dans les appartements où on va ou la villa. Bref, let's go. Bon, dernier jour de plage, dernier jour des vacances. Nous allons à la plage. Par contre, on doit faire attention parce que vu qu'il y a le petit tatouage là. Et elle va monter un des yeux. Elle est toute fière de son tatouage. Enfin bref, faut qu'on fasse gaffe pour le tatouage. Et du coup, on va aller se baigner, on fait très attention. Faut pas que je mette le bras dans l'eau, donc c'est trop chiant. Et devoir aller dans l'eau comme ça, c'est genre le bras en l'air comme ça. J'espère sincèrement que vous avez ressenti dans le vlog que j'ai passé des bonnes vacances. J'espère que vous l'avez apprécié. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo où justement je compare les deux hôtels que nous avons fait. Un hôtel vs la villa. Juste ici là. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Ah non, pardon. Ciao à tutti. Les voyagers sont tous...
les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps, car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille.